yo, c'est la Team S3. Et aujourd'hui, c'est PSG Bayern. Yo la S3 Family, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous le savez tous, ce soir aura lieu le match PSG-Bayern. Absent lors du match aller car positif au Covid-19, Marco Verratti effectuera son grand retour ce soir les gars. Mais de son côté, Leandro Paredes, suspendu en Bavière, lui pourra faire son retour ce soir. A votre avis, est-ce que c'est un plus pour le PSG ou un moins? Je sais pas trop, mais en tout cas donnez-nous vos pronostics en commentaire, le résultat du match et on passe au premier défi. Yo la famille, premier défi, il est très simple. JMK va nous lancer le ballon, devra contrôler, tirer et marquer. Le premier arrivé à 3 buts a gagné. Le PSG sera représenté par moi-même et le Bayern par le striker Traffi. Et là les gars, on vous laisse avec JMK qui nous montre sa préparation bien particulière. Ok les gars, le PSG et le Bayern ils sont chauds, regardez, ils sont juste là, là. On est là, on est là. Ah, mais faites pas trop les mecs aussi, hein, ok. Ça veut pas dire que vous êtes... Attends. Qu'est-ce que t'en dis toi? Ouais, c'était une séquence qu'ils ont censé... qui était censée être drôle. Okay. Oh là 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 là. Tu prends l'avantage, c'est la première frappe. C'est la première, on y va doucement. The striker is back, oh là, get ready. Excuse-moi, c'est toi le striker? C'est moi le striker. Enchanté, allez, salut, au revoir. Ok, Andreas, ok. Il a décidé de prendre son temps, mais ça n'a pas été fructif. Deuxième tir, deuxième frappe, deuxième but. Pas mal. Mon contrôle de balle, comme vous pouvez l'apercevoir, mais vous inquiétez pas. Je cherche quelqu'un qui s'appelle le striker, vous l'avez vu? Il arrive après, là, ah, il a dit là. Merci. Non. Non, t'es chaud, mon pote. T'es chaud, bien joué, André. Dommage, dommage. Ok, voilà. Très bien. Merci JMK! Merci JMK! C'est pas JMK, c'est merci moi! Parce que ma frappe elle s'est écrasée. J'ai frappé le sol avant de tirer le ballon. Oh merci Traffi! Le contrôle est claqué ça! Et il marque! On est d'accord, ça fait bon pour moi! Pas mal! Oh dommage! On va leur montrer! Contrôle! Oh là là. Merci JMK, merci JMK, merci merci. Aujourd'hui JMK il m'en veut mais ça ne va pas durer. Facile. Trop facile, trop facile. Il est arrivé le striker? Ouais c'est moi, ah, enchanté. Bon bah allez à la prochaine, j'ai pris le ping-pong. Super, il est sympa ce petit. Hein. Ah, ça va être chaud de remonter, hein. Ça va être chaud. Malheureusement, Andreas, il est tombé sur un Traffi à entraîner. Dernièrement, je m'entraîne beaucoup, tu vois, je pense que ça se ressent. Hein. Je pense que les abonnés en témoignent qu'il y a une amélioration au cours de ces 3 dernières semaines, okay. D'accord? Moi, je vais avoir un coach, là, donc faites attention les prochaines semaines. pas la prochaine semaine, mais... là, sérieusement, je vais avoir un vrai coach. En plus, je reste sous Ramadan, donc tu auras un avantage supplémentaire. J'ai fait une trafic. J'ai voulu viser le coin là-bas là. C'est vrai. Mais il a raté, il a dit une trafic c'est quand tu marques. Oh là là. Oh dommage. Oh là là, Sadio Mané. Oh là là. Il a dit Sadio Mané le bâtard.
Dommage, dommage. Magnifique crossbar challenge. Hein, ça fait 2-0 pour Andreas. J'avais annoncé. Y a quelqu'un qui a vu le striker là. C'est moi le striker. T'as enchanté, enchanté. Vous avez les cours. Ouais, ça va. Ah, vas-y, mais j'ai mon père en plus, j'ai ping-pong. Cimer. Il est sympa ce petit. Hein. Les vrais gosseurs, vous savoir que là, j'ai voulu faire un arrêt photo, mais je l'ai mal fait. J'ai mal fait. De toute façon, il y a le replay, vous allez voir que j'y vais en mode ney-ney, mais j'ai mal, la main ferme. Ouais, mais attends, elle était belle. Elle était belle, mais honnêtement, aujourd'hui, il y a quand même un grand JMK, parce que des femmes qui l'ont sorti. Parce que hier, j'ai joué contre son frère. C'est vrai, et il t'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Je suis vraiment question là, je reviens pas là, c'est bon. Voilà, donc voilà, franchement, merci JMK pour ta participation. Franchement, il a fait une grosse séance quand même, mais j'ai gagné. Deuxième défi. Deuxième défi inspiré d'une vidéo Instagram sur 4-3-3. Comme dans la vidéo La Famille, il faudra faire le tour de la cage avant de marquer. Le premier arrivé à 3 a gagné. Et là, l'ami, je vous laisse avec Brian qui vous donne quelques infos. Mais le gros point d'interrogation là au PSG, c'est Keylor Navas. Ils l'ont sorti contre Strasbourg samedi. Je pense que c'était peut-être pour le préserver pour le match d'aujourd'hui. Mais bon, apparemment, aucune inquiétude pour l'entraîneur du PSG. Pensez-vous que Keylor Navas sera à 100% de ses capacités? Alors, monsieur Brian, qu'est-ce qui va se passer là? Alors, tout d'abord, il y a le ballon qui va être juste ici. Et du coup, en fait, ils vont devoir faire des tours chacun leur tour. Il y aura un défenseur et un attaquant. Et le défenseur doit arrêter la balle. T'es d'accord avec moi? Ok, et donc ça veut dire que l'attaquant doit marquer. Putain, mais t'as des infos de ouf. Oh là là, t'as vu ou pas? Bah, on se voit en cours de géo. Vas-y, allez, salut, plus. Golasso, Gnabry, c'est incroyable. Oh, ah, tu voulais faire un point là? Bah, t'as un point là. On va, go. Eh bah oui, hein. Ah, il est bon le traf, hein. Ah, il est bon le traf. Ah, franchement. Vivement mon coach là, il me met des vrais coups là. C'est vrai. Bon, hey, Andreas, c'est quoi qui se passe là? Tu bois pas la tisane au gingembre le matin ou quoi là? Si je marque, c'est fini là. Bah ouais, 3, 2, 1, go. Il va plus commencer à faire le tir. Ah, il a là. Non, il a le droit, wesh. Il a le droit, mais tu mets les mains sur le gardien. C'est un jeu gardien. Regardez la vidéo Instagram. Attends, reviens un peu plus. Mec, il veut une carotte. Carotte, wesh. Il a mis le ballon. Il m'appelle Moss. 3, 2, 1, go. Oh. Oh. 1, go. Ouais, mais allez, les gars, on va arrêter la règle des mains. 3, 2, 1, go. Bien joué. 3, 2, 1, go. Oh, dommage. 3, 2, 1, go. Tu es en retard. Tu es en retard. J'ai jamais lâché l'affaire. Je suis parti en retard sur la dernière. Il a profité de cet avantage. Ça a été très intelligent de sa part. Maintenant, il va falloir se séparer lors du troisième défi. Et je compte bien remporter la victoire. Voilà quoi, vous savez pourquoi, hein, ça se voit au niveau du bide. Mais je vais reprendre le sport, je vais tout reprendre. Allez, et voilà, c'est parti pour le troisième défi. Pour le troisième défi, nous allons tout simplement effectuer une séance de tir au pénalty. Et ouais, les deux équipes sont à égalité. Une victoire pour le Bayern au premier challenge, une victoire pour le PSG au deuxième challenge. Qui va gagner ce troisième challenge? C'est juste après quelques petites infos dites par Brian. Par contre, du côté du Bayern Munich, l'inquiétude est grande. Selon les dernières infos, il y avait quand même 8 joueurs à l'infirmerie pour le Bayern samedi. En sachant que Kingsley Coman et Jérôme Boateng sont quand même sortis pour blessure au dernier match, dites-nous en commentaire si vous pensez que toutes ces sorties et ces allées-venues en infirmerie vont jouer sur le mood du Bayern Munich ce soir. Bon, apparemment, j'ai gagné le dernier défi, c'est à moi de commencer. En 3 buts ou en 5. Ça va vite. 5, putain. Dites-moi le pronostic. Oh là là! Là, tu l'aurais raté. Là, je m'en bats les couilles, je tire fort. Oh là là, de partout, c'est relancé les frères. Hein.
Ouais, je suis Andreas. Pas de tir pour trafic. Oh là là. J'ai vu, t'as allé du bon côté, tu tires en l'air. Vas-tu la mettre? C'est le quatrième là. Eh oui. Ça fait 30 000 actifs pour Traf, 2 pour Andreas. Et tu marques pas Andreas, t'as perdu là. Exactement. La pression. Marque pas. Putain. Pianiste. Éboué. C'est pas grave Andreas, t'es quand même bien tiré. Putain. C'est pas grave, c'est pas. Voilà, victoire du FC Bayern München. Vraiment, vraiment, rien vous à dire les gars, j'ai besoin de... Hein, j'ai honte de voir tes maillots, je suis désolé d'avoir représenté aussi salement l'équipe du PSG. Allez. Ouais, moi je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est peut-être une représentation de ce qui va se passer demain soir. Non. Peut-être. Non. Müller, il a dit à demain. Mon gars, quand en allemand il dit à demain, ça veut dire beaucoup. Ouais, il avait dit à demain pour le match aller. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il avait grave. Ouais, mais pareil, il a eu chaud quand même au match aller. Faut être honnête. Trop chaud, trop chaud. Faut être honnête. Yo. C'était la Tumes 3. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement, tu me laisses parler ou quoi là? Moi, j'ai adoré. Vas-y. Qui parle? Laisse-moi parler, vas-y. Ok, voilà, c'est bon, on a gagné. J'ai dit, tu me laisses parler. Mais il va pas me laisser parler ou quoi? Voilà. Franchement, j'ai adoré cette vidéo en compagnie de Striker. J'ai encore d'être ça, Andreas. C'est pas grave. J'ai adoré tes pénalties. Tu es super fort. T'en penses quoi toi Jean-Marc? Franchement pas mal hein. Mais je crois qu'on aurait dû se mettre dans l'autre but là-bas là. Ah ouais non, c'est pas la prochaine fois pour ça, ok. Mais bon, non, j'ai mérité. Les Strikers, merci Strikers. Merci beaucoup. Merci. Parce que franchement, je pense que cette vidéo elle aurait jamais été aussi bien sans le Striker. Donc ouais. Merci. C'est incroyable, il est trop fort. Big up à Moss qui n'était pas là et qui devait reprendre les paris. Voilà. Ouais. Big up à toi. Mais Moss, tu serais venu, t'aurais perdu quand même. Mais voilà. Face au Striker. Franchement, il est trop fort. Voilà, d'ici là, la recette n'a pas changé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonne-toi.